Non, ouais, franchement, ça a l'air génial. Ah, moi, je trouve aussi que c'est plutôt sympa. Parce que du coup, c'est un peu donner l'occasion aux gens de s'exprimer si par exemple il y a quelque chose qui leur va pas ou s'il y a un problème et tout. Enfin, je trouve ça cool aussi. Je crois que ce projet il est ambitieux. Ça peut aider des gens. Genre, une personne elle veut nettoyer la rue. Il va taper dans le site. Je pense que ce projet il peut être utile par rapport au quartier dans lequel certaines personnes peuvent vivre. Je sais que moi j'habite à la Cruteneau, donc j'ai pas de soucis en ce qui concerne des améliorations particulières au niveau du bruit ou des dérangements. Mais je pense que ça peut être utile à certaines personnes, le projet. Je pense que c'est utile parce que genre, ça nous améliore la vie. Non mais franchement c'est quand même un bon délire que justement on puisse dire ah là il manque quelque chose et qu'il y a une communication en fait, un échange et qu'on puisse avoir un retour plutôt que envoyer une lettre et c'est pas savoir si on reçoit quelque chose un jour. Non, moi je pense que ça peut être utile. Après, je sais pas trop de quelle manière les informations seront remontées, donc jusqu'à la mairie. Après, c'est dans tous les cas, c'est à la mairie de décider, donc voir s'ils appliqueront les demandes les plus favorables. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Parce que démocratie participative, ça me parle, je trouve ça chouette. Et puis, ça permet à tout le monde de signaler des problèmes là où les gens les verraient pas forcément, donc c'est une bonne idée. Moi je pense que c'est une super bonne idée, en tout cas ça peut aider beaucoup de ça peut faire en sorte d'aider beaucoup de gens je pense et même d'améliorer la vie sur le campus et même apparemment dans la ville, c'est ouais, ça c'est dans toute la ville. Dans toute la ville. Ça dépend aussi des élus puis de l'investissement des jeunes. Ouais. Par exemple, si on pouvait. Je sais pas ce que vous proposez, mais si dans le projet on pourrait proposer certaines choses concernant le. Comment dire, le développement durable ou l'écologie. Par exemple, ce qui concerne les lancers de mégots à tout va, genre, je pense que s'il y a des idées comme ça, ça pourrait être vraiment être bien. Moi, déjà, j'habite à l'Elzo. Et en fait, à part des petites épiceries et tout, il n'y a rien en fait. Genre, il n'y a pas de supermarché, il n'y a rien là-bas en fait. Et ce serait cool s'ils feraient un truc comme ça, tu vois. Moi, je dirais qu'au coin muscu de la citadelle, ils remettent un truc pour faire des dips. Parce que c'est cassé depuis un moment, 3-4 mois et ça n'a pas été remis. Ou alors même juste à côté au terrain de basket, souvent il y a les filets qui sont détachés. Dans mon quartier, j'habite à Haute-Pierre, qui mettent plus d'espace jeu pour les enfants. Parce que des fois les enfants ils jouent sur la route un peu partout et du coup c'est dangereux, du coup c'est mieux de faire un espace jeu et voilà. Là tout de suite j'aurais aimé que la bibliothèque soit ouverte jusqu'à plus que 13 heures. Il y a deux choses sur lesquelles je suis un peu sensible parce que je me déplace beaucoup à vélo, donc c'est vrai que Strasbourg il y a déjà pas mal de pistes cyclables mais... ils continuent à l'installer aussi, puis voilà, c'est vrai qu'il y a des lieux aussi où il n'y a pas de piste cyclable, où on ne sait pas trop si on doit se déplacer sur le trottoir ou sur la route. Donc. Et puis aussi par rapport peut-être à l'accessibilité de certains lieux, je parle là plus pour les personnes peut-être en fauteuil par exemple. Et c'est vrai que parfois, pour se déplacer, les trottoirs ne sont pas toujours accessibles, alors parfois des véhicules qui se garent sur le trottoir. Encore eux. Oui. Ouais. Ouais. Je sais pas, mais je pense que je pourrais y faire un tour et si jamais j'en aurais besoin, je pense que oui, je pourrais l'utiliser, ouais. Ça serait utile. Oui, je l'utiliserai. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est une bonne idée de venir et parler aux gens. Et ça me fait connaître, en tout cas. Et...